Regardez ce que j'ai reçu. Peut-être verrez-vous mieux ainsi. Une putain d'amende! Pourquoi? À cause de ça. Une simple photo. Tu comprends rien? Bon, attends. Je t'explique. Tout commence au moment où, alors que je roulais tranquillement sur une route nationale pour me rendre à une soirée, un convoi exceptionnel de moissonneuses-batteuses est venu s'interposer devant moi, m'empêchant de rouler à une allure décente. Du coup, tu te doutes bien qu'en arrivant à ma soirée, j'ai bien évidemment évoqué cette anecdote à mes potes. En somme, un louable motif pour excuser mon retard. Bien. Nous avons donc convenu, après réflexion raisonnée et raisonnable, que quand je rentrerai dans la soirée tard dans la nuit, il n'y avait aucune chance pour que le même scénario se répète et que donc, je pouvais emprunter la nationale tranquillement plutôt que l'autoroute, sans craindre aucun gros tas à moteur sur ma route. Que nenni, mon ami! C'était sans compter sur ces bungalows noctambules ambulant sur une route nationale à 1h du matin! D'où ma volonté de dégainer mon téléphone pour en faire un splendide instantané. L'idée, générer un cliché témoin de ma malchance pour rappeler à mes amis à quel point leur vie était belle. Pur altruisme. Et pourtant... Bonsoir, monsieur police communal. On va vous verbaliser suite à votre manipulation manipulante d'un combiné téléphonique cellulaire au cours de votre conduite véhiculaire. Ce sera 90 euros et 3 points en moins sur le permis de conduire. Veuillez signer ça, s'il vous plaît. Merci bien. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en ai pris une autre 3 jours après de 23 euros pour mauvais stationnement. Attendez. Pas si vite. Ah. Non, quelqu'un me rappelle dans l'oreillette que ma vie est encore plus merdique que ça. 2 semaines après, j'en ai pris... Encore une autre! Parce que j'étais garé sur un trottoir. Je connais une Miss Blonde qui sait de quoi je parle. Tu sais combien tu prends quand t'es garé pendant seulement 3 heures sur le trottoir d'un chemin résidentiel où tu gênes personne? 30? 50? 80? 100? Ce sera 130 euros, s'il vous plaît. Et après, ça donne ça. Regardez ce que j'ai retrouvé. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ah, excuse-moi, est-ce que tu connais le secret pour faire une bonne purée? Oui. Je remets ma perruque, parce que c'est une perruque. Tu sais que ça ne se voit pas, parce que je l'ai faite faire grand artisan vénitien. Regarde, c'est soyeux. C'est pas fini. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça. Tu peux aussi commenter et expliquer pourquoi la vidéo t'a plu. Je t'invite également à partager la vidéo si tu l'as vraiment aimée. Ça me ferait super plaisir et c'est le meilleur moyen de m'encourager à continuer. Un grand merci à ceux qui le font déjà. Continuez, vous êtes super. Ah oui, et tu peux aussi me suivre sur Facebook. Oui, je sais, le bouton n'est pas cliquable parce que Google me demande une procédure à laquelle je ne comprends rien. Mais en contrepartie, tu pourras trouver le lien dans la description de la vidéo. Enfin, si ça bug pas et que ça t'amène pas sur la page Facebook d'un bar qui s'appelle le Clarence. Voilà, et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi. Et ou tu peux aller revoir mes vidéos un petit peu plus anciennes. Merci.